Église Saint-Sulpice de Ruffec. Cette église Saint-Sulpice est une église romane, pauvre, où tout respire l'économie. Une petite porte en hauteur, destinée au personnel de l'église, permet l'accès à la cloche. Le sol est dallé de larges pierres, dont quelques-unes sont tombales, avec des inscriptions. Le bénitier est en pierre sans décoration, posé sur une colonne octogonale, également de pierre. La façade, sans ornement, est surmontée d'un petit clocher arcade de style roman, possédant une seule cloche. Un auvent devait couvrir la porte d'entrée. Il devait consister en une simple toiture en bois recouverte de tuiles. Les bois reposaient du côté du mur ouest, sur une série de corbeaux, comme en témoignent les pierres en crochet sur les murs. De nombreuses réparations ont été nécessaires depuis 1826. Un arbre avait poussé dans le milieu de la nef, endommageant la toiture. En 1844, il est devenu urgent de faire de grosses réparations à la toiture de l'église qui menace de s'effondrer. Monsieur le maire expose qu'il y a sur une terre communale un vieil ormeau qui dépérit journellement. Il demande donc l'autorisation de le vendre aux enchères publiques afin d'en utiliser le produit pour les réparations de l'église. Ce dernier est donc vendu le 21 juillet 1844 avec l'accord de Monsieur le Préfet. De grosses réparations sont effectuées en 1983 pour réhabiliter l'édifice. La voûte est refaite complètement d'une charpente en bois recouverte de tuiles. L'autel a été reconstruit à l'aide d'une grosse pierre plate. Cette église du XIe siècle est inscrite monument historique depuis 1950.